prendre de l'eau. De l'eau? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ouais, j'arrive aussi. Je vais me pisser dessus. Ça comme cri pour le tueur. Hein. Le tueur, il fait... Allez, c'est mardi. Du coup, j'ai plus le texte sous les yeux. Hein. Si tu fais une gaffe, c'est pas ça. Tu l'entendras. Zombe. Oh non. Comment je fais pour écouter maintenant? Elle est courbe. Ah si, c'est bon, j'entends. Parle. Chapitre 4. L'antre de la bête noire. Oh, quel yoyé. Oh, yoyé. Chapitre 4. L'antre de la bête noire. Vatsen est sombre, mais le stock de mon destin. Après un domaine sous tension, passé loin de sa famille, un gars s'engage dans une ultime tentative. Une question au chemin Adriel. Adriel, j'ai vraiment chopé ce prénom au pif, j'ai tapé. Non, chaman. T'as tapé Rocky Chaman. Rocky. Adriel. 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 D'ailleurs, tu m'as pas demandé qu'est-ce qui devient. Genre, la Sylvie. C'est Adriel, Adriel, il juste fait comme son. Putain, j'ai pas précisé que c'était Adriel qui se faisait tirer dessus. Mais c'est pas grave. Ah, c'est Adriel qui se bat en courant? Non, il se fait tirer dessus. C'est lui qui se prend un coup de fusil. Parce que le mec essaye d'arrêter le rituel. Pour moi, c'était toujours le tonnerre. Ah non, c'est un coup de feu. Ah, c'est vraiment un coup de feu. Ah bah ok, d'accord. Ah oui. Ah, tu vas peut-être le préciser. Ah bah du coup, oui. Pour moi, c'était, okay. C'était genre, il y avait un truc quelque part qui se passait. Sans ouais, il y a écrit un coup de feu. Donc pour moi, c'est... Non, il ce qui semble être un coup de feu. Donc ce qu'il entend... J'ai écrit ce qui semble. Non. Un tir. Non. Tu dis des bêtises, et là incompréhensible, et se dresse à nouveau, puis massif plus gêné, faisant suivre Horace. Reste. Ah oui, un coup de feu retentit, d'accord. Ouais, mais en fait, comme c'est dans la même phrase tout ce choix ouais, bah, de... En fait, pour moi, oui, il y a une grosse pause, hein. C'est genre, un coup de feu retentit. D'accord, ce que tu viens après... Limite, mais un coup de feu retentit, et après, Adriel est touché. D'accord. Voilà, juste, fais-le de manière bien découpée comme ça, moi après je peux le garder ou non. C'est vrai qu'après il dit, ce son, Aya le reconnaît, c'est celui d'un fusil de chasse. C'est parce que pour moi en fait c'est pas du point de vue, c'est du point de vue tout, de Aya du coup là. Du coup genre il entend le coup de feu mais il voit pas le... Il fait pas gaffe au fait que ce soit le chaman. Ok d'accord. Ouais non, absolument je vais pas... Bang bang. You shot me down. Bang, okay. Bang bang. Ah, hit the ground. Je me suis retourné, il a fait « Oh, faut que je mette la lumière, regarde. » Hop. Sombre. Sombre. Lumière. Ok, Sarek. Bang, bang. You shut me down. You shut me down. Vas-y. J'espère que Mathias il va voir ça, il va voir qu'on est des super zombies. Ah. Ah mais ok, attends. Parce qu'en fait, j'ai pas vu qu'il y avait un limiteur à moins 6 dB. Ah, vas-y, reparle. Chapitre 4. L'antre de la bête noire. Ok, vas-y. On y va. Recule-toi un peu. Non. T'as reculé un peu. Ah non, il était. Voilà, t'es un peu en avant, comme ça. Oui, bah, parce que. Non, bah, comme tu veux. Mais tu sais qu'en moment, j'étais genre ici. Hein. C'est bien, si t'en es. Fais comme ça t'arrange. C'est toi qui touches tes royalties. Je paye combien d'ailleurs? Vas-y. Oh, le déni.
Chapitre 4. L'antre de la bête noire. 26 décembre 1999. T'as un petit accent là quand même. J'ai senti ma bouche partir le bas, genre. 26 décembre 1999. Après un soleil sous tension. Un soleil sous tension. Waouh, ça va être. Oh là là. Ouf. T'as dû t'entendre en même temps, ça peut être. Ouais, tu peux aller fermer la porte. C'est ce que j'allais dire. En voyant là-bas. Pan, pan, pan. Yeah. Attends, j'ai un grain. Tu parles quoi de ta tête, de ton cerveau? Oh là là. Allez. Oh non. C'est parti. Grosse revue de joke. Tu as dit que tu faisais ça pendant tout le truc. 800 fois. 800 fois. Après un Noël. Je vais péter un truc au passage. Vas-y. Refais le titre et tout. J'ai tous les bruits, moi. Chapitre 4. L'antre de la bête noire. 26 décembre 1999. Après un Noël sous tension, passé loin de sa famille, Aya s'engage dans une ultime tentative. Il commissionne un chaman, Adriel, pour entreprendre un rituel de purification au sein de la forêt. Ainsi, il espère provoquer le meurtrier pour l'arrêter. C'est pas dans la même phrase ? Non. Ok. Tu veux que je le fasse dans la même phrase ? Non, je suis même pas. Il laisse volontairement les rumeurs courir. J'ai un peu trop traîné le laisse, non ? Ouais. Il laisse volontairement les rumeurs courir en espérant qu'elles parviendront jusqu'à l'homme. La nuit approche et le rituel se met en place. Bougies, totems et encens sont dispersés dans la forêt avec l'aide de la brigade. Au milieu du taillis, le chaman se dresse du haut de ses 2 mètres dans une large tenue cérémonielle rouge et blanche ornée de multiples colliers. T'as eu un petit frise, ouais. Y'a pas eu un chien, d'ailleurs, dehors ? Si ? J'ai pas vu, mais je l'entends. Ouais. Bah, tu peux fermer le volet. C'est bien ce que j'ai entendu. Ouah ! Ouah ! On voit pas du tout sur la vidéo. Tu vas la mettre en entier ? Hein ? Tu vas la mettre en entier ? Ouais. Pousse la couette contre le bas de la fenêtre. Ça va, ça isole bien le son. BTS audio. Audio ! Visuel. Il est tombé. Allez. Putain, ça a déjà bouffé un tiers des piles. Ça bouffe. C'est vraiment de la merde. Comme le Rockman. Oui. Attends. C'est bon. Ouais, tu me feras penser à faire un son sol. Au milieu du taillis. Je dis au milieu, non ? Ah, ok. Au milieu du tré. Oula. Du treillis. Ouais, j'ai fait dire au treillis. Ah, ouais. Au milieu du taillis, le chaman se dresse du haut de ses 2 mètres dans une large tenue cérémoniale rouge et blanche, ornée de multiples colliers. Attends, tu peux la refaire, je crois que j'ai tapoté un peu. Je crois que t'as fait tes tenues. Tenue. Quelle tenue. Au milieu... Oh là là. Oh là là. Je suis pas manier au milieu. Oh lolo. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ensuite, non. Oh là là, le rituel. Ya, 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 ya. Poker face, on y va. Au milieu du taillis, le chaman se dresse du haut de ses 2 mètres,
dans une large tenue cérémoniale rouge et blanche, ornée de multiples colliers. Oh, c'est marrant. Ok. Chacun de ces mouvements est accompagné d'une myriade de sonorités qui cliquettent et semblent s'envoler dans les airs. Chacun de ces mouvements est accompagné d'une myriade de sonorités qui cliquettent et semblent s'envoler dans les airs. Pendant ce temps, le reste de la brigade se tapit dans l'ombre du bois, prêt à bondir au moindre signal. Lorsque le premier glas de la cloche du chaman sonne, le temps s'arrête. Un frisson parcourt l'échine de Aya. Je me disais, gros, il y a un chat dans mon appart. Justement, je l'ai fait, la première fois, j'ai fait merde, c'est que je recommande. Ouais, je croyais que c'était moi. C'est pour non, ça. C'est moi. Ok. Je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai un peu d'asthme là. Ah bah, super. Ils vont rien comprendre. C'est l'encens, ça. Lorsque le premier glas de la cloche du chaman sonne, le temps s'arrête. Un frisson parcourt l'échine de Aya, qui pourtant n'a jamais cru en ces choses. Et soudainement, le silence. Le vent tourne alors subitement. Les nuages recouvrent le peu de ciel encore perceptible, plongeant la forêt dans un noir profond, au milieu duquel trône le chaman et ses bougies. Tu peux la refaire juste ouais. Au milieu duquel trône le chaman et ses bougies. Plongeant la forêt dans un noir profond, au milieu du... Plongeant la forêt dans un noir profond, au milieu duquel trône le chaman et ses bougies. À mesure qu'il entame sa danse, la météo prend des airs d'apocalypse. Les totems se balancent violemment sur leurs branches. Les feuilles mortes se dispersent dans les airs et les officiers tentent de garder leurs casquettes sur leur tête. Sur la tête, ce serait bien, je pense. Oui, c'est sur la tête, en plus. Oh, tu vas t'en prendre une. T'auras pas ton cachet. Hein. À mesure qu'il entame sa danse, la météo prend des airs d'apocalypse. Les totems se balancent violemment sur leurs branches. Les feuilles mortes se dispersent dans les airs et les officiers tentent de garder leurs casquettes sur la tête. Attends, je vais juste baisser un petit peu le volume parce que. C'est pas le gain, s'il te plaît. Oui, le gain, oui. Je vais dire. Je vais en faire un peu aussi, Vas-y. Tu veux que je la refasse, ça faisait du coup ? Non, c'était bien, c'est juste que c'était un tout petit peu en dessous du moins 6. Donc. Okay. Une première goutte tombe, rapidement suivie d'une autre, et encore quelques minutes seulement. Une première goutte tombe, rapidement suivie d'une autre, et en quelques minutes seulement, il se retrouve pris dans la tempête. Malgré le déluge, le chaman n'interrompt pas sa transe. Il semble même se satisfaire de la situation, comme s'il était en mesure de contrôler les forces de la nature. Et tandis qu'il hurle des incantations incompréhensibles, il se dresse à nouveau, plus massif que jamais, faisant fi des bourrasques et se tournant vers le ciel. Un coup de feu retentit. Je le refaire, faisant fi, là. Même tout. Je me suis pas trouvé très convaincu. Okay. Convainc-nous. Convainc-les. Je vous vais vous convaincre. 14 minutes, putain. Attends, hop. Malgré le déluge, le chaman n'interrompt pas sa transe. Il semble même se satisfaire de la situation. Comme s'il était en mesure de contrôler les forces de la nature. Et tandis qu'il hurle des incantations incompréhensibles et se dresse à nouveau, plus massif que jamais, faisant fi des bourrasques et se tournant vers le ciel, un coup de feu retentit. Adriel est touché. Ce son, Aya le reconnaît, c'est celui d'un fusil de chasse. Il avait raison depuis le début. Cela ne peut être que Yves, ce salaud, un sale meurtrier pervers qu'il avait manipulé depuis le début. Attends. J'ai craché sur mon écran.
Je vais mettre ça juste à la fin. J'ai craché sur mon écran. J'ai jeté sur l'écran, chef. Tu... Ça va, celle-ci, hein? Ouais. Okay. Pour lui, c'est ici que l'enquête doit s'achever. Pour lui. S'achever. S'achever. Pour lui, c'est ici que l'enquête doit s'achever. Il s'élance alors, ne sachant pas réellement d'où vient le tir. Au loin, il aperçoit le silhouette. Rick. Il aperçoit le silhouette. Bon, on voit bien le muscle là. Waouh, c'est dur. Pense pas du tout. Le tacos. J'ai bien vu, j'ai fait. Allez. Ok. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Freestyle. Petite référence à ceux qui l'ont. Ok, mais pas. Et Loris. C'est que t'es quand on avait 117. Ah oui, non, chargé des charges. Chargé. Non, c'est Loris, c'est un mec qui fait des micro-trottoirs. Quand il y a des mecs qui veulent faire des freestyle, il fait j'enlève la bonnette, je remets la bonnette, freestyle, il donne le micro. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Et c'est très drôle, il y a vraiment des trucs. J'ai la tête jetée ce soir. Vas-y. Pour lui, c'est ici que l'enquête doit s'achever. Et s'élance alors, ne sachant pas réellement d'où vient le tir. Au loin, il aperçoit une silhouette. Courant à perdre haleine, les branches glacées au taillis. Courant à en perdre haleine, les branches glacées du taillis lui lacèrent les visages. Les visages. Ah, c'était dommage, c'était bien. Les. Courant à en perdre haleine. Ouais, j'ai eu un petit doute sur la formulation. Courant à en perdre haleine, les branches glacées du taillis lui lacèrent le visage. Il esquive instinctivement les racines, rochers et autres obstacles sur son chemin. Mais pourtant, la silhouette se fait de plus en plus lointaine. Impossible de la rattraper. Dans un élan d'espoir, Aya se fige, dégaine le pistolet de son holster, aligne son bras dans l'axe de son regard et inspire profondément. Il tire une fois, deux fois, trois fois avant de finalement atteindre sa cible. Au loin, les officiers armés de torches balayent la zone à la recherche de l'inspecteur. Au loin, les officiers armés de leurs torches balayent... Au loin, les officiers armés de torches balayent la zone à la recherche de l'inspecteur. Oui, juste que j'essaie de me craquer le doigt de pied, mais j'y arrive pas. Vas-y, prends. Je vais faire ça aussi. Je vais plus te brûler. Le coude. Oh non. Quoi? Ah. Tu forces un peu? Tu forces. Fait dès qu'ils ont un micro cardioïde comme ça, t'es oh mais marre le bout de bout. Trop marrant. Le mec se fait se s'auto inflige des dégâts. Moi j'adore tout ce qui est genre basse boostée, elle est hyper saturée. Du coup Ah, j'espère que tu vas genre laisser au moins 2-3 jours retourne. Avant de dérocher. Ouais, ça grésille quand ça sature. J'espère que tu vas vraiment laisser 2-3 jours avant de dérocher. Ouais, je pense. Là. Tu vas tomber sur cette séquence. Sur les instants, par contre. Allez. Oh non, il y a un mot compliqué. Il y a le mot anthropomorphe. Voilà, t'as réussi. L'anthropomorphe n'est pas mort, loin de là. Il titube et continue d'avancer jusqu'à sortir du bois et arriver au porche. C'est une photo encore. Non, il y avait un bois près derrière, j'ai oublié de le dire. Aïe. Calvaire.
mais avant d'arriver à la Porsche. À la Porsche. Non, c'est pas que ça. La voiture. Là. Oui. Écoute. L'anthropomorphe n'est pas mort, loin de là. Et titube et continue d'avancer jusqu'à sortir du bois et arriver au porche d'une maison. Il s'effondre, la cuisse en sang. Lorsque Aya atteint finalement l'homme, son visage est méconnaissable. Il arbore un véritable masque terreux duquel s'échappent deux larges yeux brillants. Son odeur confirme son identité. C'est bien l'homme que la police recherche. Cependant, Aya veut être prudent. Il a déjà visité cette maison, mais il se pourrait qu'une menace y rôde encore. Menottant l'homme à la grille du portail. Menottant la demeure aux effluves. Menottant l'homme à la... Ça va être un cauchemar à deux, ouais. Cette merde, putain. Menottant l'homme à la grille du portail, il ouvre délicatement la porte avant de s'engager dans la demeure. La demeure. Ah oui, monsieur. Menottant l'homme à la grille du portail, il ouvre délicatement la porte avant de s'engager dans la demeure. Rapidement, les effluves sont de plus en plus dérangeantes. Chaque pas que fait Aya semble plus lourd que le précédent. Ah oui, là, d'accord. Ouais, tu m'entendais c'est... Si c'est le voisin qui sort sa perceuse maintenant, je pète un câble. Ok, on va faire ça rapide alors. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser brutalement. Comme paralysé, ce qu'il voit, sa vue s'embrume, descend photo, son cœur et ses poumons s'emballent. Ah, ouais. L'odeur dansant lui fait monter au cerveau. Voilà, c'est bien ça. Et s'effondre au milieu d'une des pièces. Ah, God, c'est vous, Eminem? Oui, c'est moi. Ah, ça tue. Qu'est-ce que tu veux? Skibidi Bop! I'm a Scatman! Skibidi Bop, 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 Bop! Saturation! Skibidi Bop, 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 Bop! T'as pas dit une seule fois le mot dab? Bop, 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 Bop! J'ai pas dit dab, c'est pour le A en fait. Ah, private. Private joke. C'est exact. Allez. En fait, c'est pas du tout comme une vraie ligne de faire. La la la! Non, pas du tout, moi je crache depuis tout à l'heure sur mon téléphone. Allez. Je crois vraiment qu'il y a des gens qui vont regarder jusqu'ici. Peut-être. Ça me tue ce changement. Si vous voyez cette partie-là, commentez cacahuète sur la conversation, please. Voilà. Et réagissez sur la vidéo. Avec le React, les petits tomes qui font. Personne n'a ça. Mais si, une vidéo. C'est, vous êtes trois à voir ça sur la courbe. Mais quoi, de pouvoir réagir à tout? Oui. Ah ouais? Ah oui, mais moi je peux pas. Hein. Ah merde. Il y a plein de gens qui peuvent pas. Hein. Bon bah, oubliez. Allez. Rapidement. Les effluves sont de plus en plus dérangeantes, et chaque pas que fait Aya sont plus lourds que le précédent. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser brutalement. Comme paralysé par ce qu'il voit, sa vue s'embrume. Son cœur et ses poumons s'emballent, l'odeur d'encens lui monte au cerveau, et il s'effondre au milieu de la pièce. Est-ce que là tu veux que je réduis la... Ouais, au milieu de la pièce. Et il s'effondre. Non, et il s'effondre au milieu... Non, bah non. Et il s'effondre au milieu de la pièce. Vu que ça marque la fin. Ok, je vais faire ce petit paragraphe. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser brutalement. Comme paralysé par ce qu'il voit, sa vue s'embrume, son cœur et ses poumons s'emballent. Je pense que c'est plutôt... Attends. Il fait quelques pas... Redis la phrase. J'ai envie de roter, mais ça ne sort pas. Aïe, écoute. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser brutalement, comme paralysé de ce qu'il voit. Parce qu'il voit. Je pense que c'est, ouais. Avant de s'arrêter brutalement, comme paralysé de ce qu'il voit.
Et on se petite pause, et après okay. Là. Ouais, parce qu'il y a le mot dessin en plein milieu ça, avec une virgule. Dessin. Ça vu sans brume. Dessin. Photo. Dessin. C'est marrant ça. Mais pas de partager une photo de sang, si vous voulez. Oui, transfert. On prend tout. À vous. À vous les studios. À eux. Ah. Ok. Il ouvre la première porte. Waouh. Oh non, la première porte. Ah, oh, elle est fermée à clé. Je... Oh, je m'en vais. Bon, bah tant pis. Merci. Il n'y a plus la fin. Oh bon. Oh bon. C'est comme l'heure, l'homme s'échappe. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser brutalement, comme paralysé par ce qu'il voit. Sa vue s'embrume, son cœur et ses poumons s'emballent. L'odeur d'encens lui monte au cerveau et elle s'effondre au milieu de la pièce. J'ai l'impression que les îles, tu les bouffes, mais là. Et il s'effondre. Ah, c'est un petit côté accent savoyard, en fait. Ah ouais, c'est là, tu dis. Et il s'effondre. Il s'effondre. Ouais. C'est deux fois, là, tu l'as fait. Ça m'a... Ah ouais? La première fois, j'ai fait. C'est moi qui entends mal ou pas? Si oui. Tu peux le refaire, c'est possible aussi. En fait, j'ai pas de son dans mes oreilles. Tu fais que deviner les mots sur mes lèvres. Je suis sourd. D'accord. Il y a du son qui est sorti. Oui. Ok. Il ouvre la porte de la première chambre. Il ouvre la porte de la première chambre et fait quelques pas avant de s'immobiliser, comme paralysé par ce qu'il voit. Sa vue s'embrume. Son cœur et ses poumons s'emballent. Sa vue s'embrume. Son cœur et ses poumons s'emballent. L'odeur d'encens lui monte au cerveau et il s'effondre au milieu de la pièce. Chapitre 5. Le réveil. Lorsque Aya se réveille, elle est hors de la maison, entourée de policiers. « Je me suis peut-être évanoui, se dit-il, mais au moins on aura attrapé ce meurtrier. » Autour de lui, ses compères sont dépités. Lorsqu'il tourne la tête en direction du portail, rien. La grille est défoncée, comme arrachée par une force surhumaine. La tempête gronde. J'ai l'impression d'entendre des pouc-pouc. Tu peux refaire. C'est mon cœur qui s'emballe. Qui... Waouh, l'histoire, ça prend vraiment aux tripes, hein, votre histoire. Là, franchement, je suis sous le choc, là. C'est une histoire vraie, c'est ça. C'est Squeezie qui raconte des threads d'horreur, c'est ça. Hein. Ouais. Bien rattrapé, hein, quand même. J'espère que vous l'avez vu aussi chez vous. Ah là, j'ai un truc dans la gorge depuis le début de la journée. Bah, c'était ça. C'était ça. Waouh! Je voulais pas faire le montage de la vidéo, mais je vais juste la prendre et la mettre dans Resolve pour faire un gros zoom à ce moment-là. Je sais pas si on va le voir. Si tu penses que ça se voit. Moi, je t'ai pas vu, mais toi, tu l'as vu par contre. Mais j'en sentais que c'était quand même assez énorme. Ouais. Et... Trop de putain. Ah, c'est mort, frère. Faudra qu'on fasse toute la vidéo hein, pour ma vidéo. Ouais. Alors, mais la même. Mais la même, moi je mets la partie genre. Du chill. Non, il y a que toi. Ah ouais. Ah ouais. Oh putain. Ouais, non, c'est chiant. Ouais. Puis on met le début, moi je mets le début, toi tu mets la fin ou inversement. Ok. Par contre là-dessus. Ouais, tu m'envoies par vos transferts. Bah oui, super, j'ai que ça à foutre. Ou maintenant en fait. Comment ça? Bah je me l'ordi. Ah bah je peux te la transférer comme ça. Mais il faudrait que je te transfère les deux parce que moi j'ai pas de fibre ni rien donc envoyer une vidéo de 15 minutes. Ah oui, bah alors. Ma vie, ça. Bon, allez. Sympa, ça. Allez, c'est parti. Ok. Je faisais signe là-bas. Ah! Au moment où t'as fait ça, tu montrais ton ventre et il y a, je sais pas, quelqu'un qui a genre tiré la chasse, on a entendu le loup et ça fait. C'est bon, c'est clean. J'ai chaud, putain. Autour de lui, ses compères sont dépités. Lorsqu'il tourne la tête en direction du portail, rien. La grille est enfoncée comme arrachée par une force surhumaine.
Faut savoir les défoncer ou en français. Je sais pas, c'est toi qui marques ça. Il y a écrit défoncer ou en français. J'ai dit quoi là? Là, t'as dit en français, tout à l'heure, t'as dit elle était défoncée. Les défoncer, c'est ouais. Quoi okay, du coup, tu disais, comme il y a défoncé puis après arraché. Enfin, ah non, non, pas rien que je dois passer. La grille est défoncée comme arrachée par une force surhumaine. Il n'y a pas des mots avant la grille. Non. Ah, ok. La tempête gronde. Pour Aya, il est grand temps de rentrer et de se laver l'esprit du spectacle horrifique dont il a été témoin. Le public ne saura jamais ce qu'il se dressait. Le public ne saura jamais ce qui se dressait face à lui dans la chambre. Le public ne saura jamais ce qui se dressait face à lui. Le public ne saura. Ça, je vais breveter cette phrase et je vais l'envoyer à tous les cabinets de. D'orthophonie. Regardez, ce connard a un problème. Bon, là, ce public, là. J'ai le texte maintenant. Donnez-moi votre avis. Essayez de dicter cette phrase. Ça se trouve, j'ai inventé un super test pour détecter les problèmes de. Non, je voulais pas lire en fait. Tu m'as pris en fait, mais t'as cru que j'étais un super wolf, mais je sais pas lire. C'est embêtant ça. C'est un peu problématique. C'est problématique. Allez. Non, ça. Le public ne saura jamais ce qui se dressait face à lui dans la chambre. Le bruit court qu'on y aurait retrouvé le corps d'Hélène. Mais dans quel état? Aujourd'hui encore, Sylvie demeure introuvable et le souvenir de cet événement hante encore les habitants. Il va en faire parce que j'entends le claquement de mon poignet dans le. Parce qu'en fait, je le tenais pas comme ça, tu le tenais comme ça et du coup, ça faisait. Clac, 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 clac. À quel moment tu veux que je le refasse tout? La dernière, la conclusion là, en fait. Avec okay. Elle Encore. La phrase juste avant, c'était quoi? Le public. Ouais, le public. Ok. Et le public aimait ça. Le public ne saura jamais ce qui se dressait face à lui dans la chambre. Le bruit court qu'on y aurait retrouvé le corps d'Hélène. Mais dans quel état? Aujourd'hui encore, Sylvie demeure introuvable, et le souvenir de cet événement hante encore les habitants. C'est vrai que ça fait pas non plus trop phrase de conclusion. En fait, on y arrive très rapidement. Ouais, bah ouais, c'est ça. En même temps, l'enquête, elle se termine là, quoi. Bah, là, c'est juste qu'il veut juste prendre une douche, en fait. Aya. Oui, mais du coup, il n'y a pas de suite, quoi. Mais est-ce que dans le lore... Le lore... Avec des gros guillemets, là. Il continue l'enquête. Il la continue. Ouais, il la continue, mais il n'y a rien d'autre, quoi, qu'il trouvait. Ouais, il faudrait le dire. Plus dans la phrase, c'est le public ne saura jamais ce qui s'est passé face à lui, et en plus, le corps d'Hélène a disparu. Oh non, c'est peut-être le corps d'Hélène, je sais pas quoi. Ouais, t'as un enchaînement de mots. Au lieu du aujourd'hui encore, on peut peut-être dire Aya poursuivait l'enquête. Après plusieurs mois d'enquête, non, on peut dire qu'il a abandonné son rôle. Il a abandonné l'affaire. Ouais. Après plusieurs mois d'enquête, Ayat abandonne l'affaire et Sylvie reste demeure introuvable. Point. Le souvenir de cet événement reste.
Ouais, je pense, ouais, c'est vrai, tu peux dire ça, Ok. ouais. Ouais, ça fait un peu plus détaillé, du coup ça rajoute du contenu, mais bon. Ok. Donc par contre, tu laisses la phrase le public saura jamais ce qui s'est dressé face à lui dans la chambre. J'aurais cru qu'on aurait retrouvé le corps d'Hélène, mais dans quel état? Ouais, moi je trouve ça pas mal, parce Ok. que ça permet quand même de contextualiser, genre histoire que les gens se disent pas, ouais, mais il y avait quoi dans ce truc? Qu'ils se disent, ok, il y avait Hélène. Mais qu'est-ce qui a pu se passer? Et encore, c'est le bruit qui court. Est-ce qu'on est sûr? Est-ce qu'on n'est pas sûr? On sait pas! Façon, c'est un travail de fac. Est-ce que tu vas le sortir après sur YouTube? Oui, je pense. Là, si c'est un. Hein? Si c'est un buzz. Genre 50 vues. Genre. Non, un peu plus. Genre, les gens commencent un peu. Partagent un petit peu, quand même. Oh oui, bah oui, il y a moyen. En vrai, c'est un concept qui m'intéresse de ouf. Hein. Parce que du coup, c'est vraiment intéressant parce que ça permet de tester genre des histoires, des scénars, des choses comme ça. Parce que j'ai pas mal d'idées qui traînent en tête, mais j'ai pas forcément les moyens de voir à l'écran si ça marcherait. Du coup, genre, je peux les mettre en forme de fiction sonore et voir si ça marche. Puis après, adapter. Donc c'est cool. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai déjà Spotify, hein. 21 abonnés. Et Sa au chaîne Spotify Spotify. de Gaël. Non, sa chaîne Spotify. Ma chaîne Spotify. Parce qu'en vrai, ce sera Ah oui, une super. ah, bah, y a quand même une grande part, ouais. Ouais, là tu mets Il des, là tu mets y a des du images. visu, ouais. Mais en soi, après, si t'arrives à faire une construction sonore avec. Ouais, bah là, il y aura quand même un Ouais. gros travail de construction sonore, mais je pense, j'aime quand même le côté un peu. Parce que je vais essayer, j'ai commencé à développer un peu une esthétique, j'espère que ça rendra bien. Ok. Parce que l'idée, c'est aussi de, du coup, Ouais, de d'abord. confondre docu et fiction Ok. en montrant des fausses preuves, des choses comme ça. Ouais, ça n'existe pas pour de vrai. Pourquoi je parle là en fait? Ils m'entendent pas forcément mieux. Si je suis comme ça, vous m'entendez. Après, tu peux prendre toute la partie qui a été enregistrée et le mettre directement là. Ah, j'avoue. Fais Non, un c'est clap. chiant, c'est Fais un chiant, clap. c'est chiant, c'est chiant. La latence qu'il y avait là. Ah oui. Oui, bah si, en fait, il faut juste le mettre dans le logiciel de montage. Comme ça, on compresse, c'est moins lourd et c'est plus facile à envoyer. Et Ah on oui, fait un ok. étalon hyper dark avec une vignette qui fait genre. Bah ça c'est toi qui vois, moi je suis pas géré avec l'étalon. J'ai essayé d'en faire avec l'étalon, mais j'ai pas C'est réussi. une vignette, c'est juste ta taille. Clic, vignette. Wow. J'ai pas réussi moi-même. Yes. C'est pas grave. Ça arrive. Moi, je sais pas utiliser le camouflage, par exemple. Non plus. Franchement, ma deuxième année BTS, je l'ai utilisé deux fois au début d'année, j'ai jamais touché. On l'a utilisé plus de fois. Bah après les mecs faisaient des DP dessus, moi j'en ai rien à foutre. Allez. Allez. Putain de merde, plus je regarde Ouais. le compteur, plus je T'as me l'arme dis tout que de suite. c'est terrible. Quelques mois après. Attends, faut que je Ouais, il y a l'échafferais. eu un boom en plus. Ouais. Ok, ça me plaît. Quelques mois après, Aya abandonne le. Quelques mois après, Aya abandonne l'enquête faute de preuves. Sylvie demeure introuvable et le souvenir de cet événement hante encore ses habitants. Les habitants, parce que Oh sinon oui, c'est des c'est ça. habitants de Oui. Sylvie. Je vais prendre un petit bonnet. Oh, mon Dieu, c'est énorme. Tu sais, on peut dire. Quoique, Allez. ce serait marrant, du coup, Sylvie n'a pas forcément disparu, mais en fait, c'est le Ouais, terrain de c'est. jeu de ce meurtre. Ouais, non, c'est juste les vers de terre qui pourrissent son cadavre. Et du coup, il y a une histoire de meurtre chamanique à l'intérieur de son corps. C'est exact. Des worms chamaniques. Du coup, c'est formulé son phrase. Wish, use, pas mal. Ouais, ok, je la refais. Ouais. Quelques mois après, Aya abandonne le. Quelques mois après, Aya abandonne l'enquête faute de preuves. Quelques mois, faute de. Oui. Il y a eu un truc, hein. Puis c'est pas faute de preuves, mais faute de piste. Non, t'as dit faute de preuve tout à l'heure. Non, mais c'est du coup pas faute de preuves, mais faute de piste. Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de preuves en fait. Ah, Faut attends. pas accuser quelqu'un. Le Titi, c'est après plusieurs mois de. Ouais. Après plusieurs mois d'enquête, Après il plusieurs mois abandonne l'affaire. d'enquête. Faute de piste. Faute Tu peux mettre, d'indice. non, tu peux mettre la piste du meurtrier se brouille.
Bah, y a pas de meurtrier. Enfin, on sait pas en fait, y a pas de meurtrier, tout ça. C'est vraiment, ils sont. Y a pas de. Y a rien. Ils ont pas d'indice. Ouais. Faute d'indice. Oui, c'est vrai. Là, je sais pas. Okay. Franchement, au feeling. Après quelques mois d'enquête, Aya abandonne l'affaire, faute d'indice. Sylvie demeure introuvable et le souvenir de cet événement hante encore les Après quelques mois d'enquête, Aya abandonne l'affaire faute de. Après quelques mois d'enquête, Aya abandonne l'affaire faute d'indice. Sylvie reste introuvable. Sylvie demeure introuvable et le souvenir de cet événement hante encore les habitants. Hante encore les habitants. Et du coup, en fait, j'aurais redire encore aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, Sylvie. Ah, parce que tu l'avais pas dit là. Mais du coup, je l'ai pas dit en fait. Ah, bah ouais, vas-y. Ouais, je vais redire. Dis-le. Balance tout. Et marque bien, genre. Hante encore les habitants. Hante encore les habitants. Hante encore les habitants. Hante encore les habitants. Les habitants. Hante encore les habitants. Ouais. Tu le tiens! Attends, pour la scène de pluie. J'ai eu un petit. Ça a saturé. C'est la caverne là. Allez. C'est juste que voir une vibration dans mon corps. Est-ce que je faisais ça? C'est toujours mieux que. Allez. T'as cause ce soir? Chouchou. J'avoue que j'ai rien à graver. J'ai déjà mangé les pâtes midi et je vais refaire des pâtes. Moi j'ai mangé des légumes en forme de pâtes ce midi, tellement j'avais rien, mais c'était pour me donner bonne conscience pour pas remanger des légumes en forme de pâtes ou des femmes? Des femmes en forme de pâtes. Non, des légumes en forme de pâtes, c'est les légumiaux là, les trucs bon Dieu. C'était genre pois cassés, épinards. Ça ressemble à des pâtes. Ah, d'accord. Que c'est tout farineux. C'est farineux, c'est pas bon. Je croyais que c'était des pâtes en forme de légumes. Non, c'est des pâtes faites à base de légumes. Aujourd'hui encore, Sylvie demeure introuvable. Et le souvenir de cet événement hante encore les habitants. Dernière, et puis on sera bon. Aujourd'hui encore, Sylvie demeure introuvable. Et le souvenir de cet. Aujourd'hui encore. Sylvie demeure introuvable et le souvenir de cet événement hante encore les habitants. Hante encore les habitants. Allez, c'est bon. Allez. 45 minutes. On attend d'avoir pile 45 minutes de vidéo, moi, je pense. En les fixant comme ça. Hein? Ouais, non, j'ai pas que ça à foutre. Tiens. Ah! Ah, je pensais que ça entendrait. Vas-y. Ah! En fait, c'est noyé dans le bruit, ouais. Donc. Ça sature. Ça sature. Quel est le Pokémon préféré des sondiers? Galbaudet? Non. Ossasatureur. Ossasatureur. Je sais pas. Ossasatureur. Bon, j'ai mon gros glaire qui est là-dedans. Ah, mais je croyais que tu l'avais ravalé. Ah non! Ah, c'est pour ça que j'avais dit bien joué. Je croyais qu'il avait fait. Bah, il avait fait. Mais dans la bouche. Ah, bah oui! Oui, bah oui. Bah, ah, oui, du coup. Plus que. Ça va, vous sinon? Tranquille. Oh là là. Est-ce que quelqu'un veut bien accepter de me coiffer, s'il vous plaît? Je recherche un coiffeur bénévole, bien entendu. Vous voyez, il y a tout un beau volume avec lequel travailler. Moi, c'est ça que tu as mangé. Je suis preneur. Ouais, c'est ça que j'ai mangé ce midi. C'était pas très bon. Voilà, des listes. Plus que 10 secondes. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour plus de concepts géniaux. Et cliquez sur mes cheveux.